Ezio, que viens-tu faire ici? Simplement mon devoir. Vieri s'en prend à vous à cause de moi. Vieri s'en prend à nous car c'est un Templier et que nous sommes des assassins. Peu importe. Je veux vous aider. Pas bene. Alors écoute-moi bien. Nous devons d'abord trouver un moyen d'entrer dans la ville. Malheureusement, je crois que nous sommes attendus. Vieri a demandé à ses hommes de fermer les entrées et de les surveiller. Heureusement pour nous, la ville est grande et son armée réduite. La porte sud est moins bien gardée et c'est là que nous frapperons. Très bien, Ezio. Voilà ce qu'on va faire. Mes hommes et moi allons occuper les gardes pour faire diversion. Quand nous les attaquerons, escalade le mur et trouve un moyen d'ouvrir la porte. Tu auras besoin de ces couteaux. Lance-les pour éliminer les archers. Pour ma part, je suis prêt. Dans ce cas, allons-y. À l'attaque ! Bien joué, Ezio. On y est. Suivez-moi. Je veux que tu attires l'attention des gardes et que tu les empêches de donner l'alerte. Ça me permettra de gagner du temps pour trouver Vieri et l'éliminer. Va bene. Ezio, attends. Emmène quelques hommes avec toi. C'est plus sûr. Retrouve-moi quand tu en auras terminé. Que prépare Vieri au juste ? Va savoir. Mais il y a quelque chose qui l'inquiète. Sinon, pourquoi toutes ces patrouilles? Et je vous referai un signe pour avancer. Et nous voilà cantonnés au rôle de garde. Pourquoi? Il faut les occuper. Il s'est mis tout le monde à dos. Et maintenant, on en suit les conséquences. Nos armures et nos prix sont en preuve. Ezio, ton oncle est attaqué, il a besoin d'aide. Va le trouver. Dans votre quête. Bravo, ragazzo!
Ezio, te voilà. Mon plan ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Les hommes de Vierre nous ont tendu une embuscade. Et nous ne savons plus où donner d'adresse. Mes frères et moi, nous allons nous occuper de sa garde. Quant à toi, je veux que tu mettes la main sur ce serpent de Vierre. Et que justice soit faite. C'est réglé. Vieri, vous resterez ici pour coordonner l'assaut des mercenaires. Francesco déploiera nos forces dans la cité et nous dira à quel moment nous pourrons frapper. Jacopo, je compte sur vous pour rassurer les citoyens quand ce sera terminé. Et ce soulard de Mario. Il continue de narguer nos soldats. Il finira par découvrir ce que nous préparons. Il a toujours posé problème. Tout comme son frère, ce bastardo. Dans ce cas, père, laissez-moi les réunir. Nous aurons tout le loisir d'éliminer ces misérables quand ce sera terminé. Bien. Y a-t-il autre chose? Oui, bien. Puisse le père de la sagesse vous guider. Puisse le père de la sagesse vous guider. Comandante! Comandante! Quoi? Mario Auditore est dans la cité! C'est vous qu'il cherche! Alors ne le faisons pas attendre. Alors, tu as tout. Tu prépares quelque chose avec tes alliés. Et mon père avait tout découvert. C'est pour ça qu'il est mort ? Tu espérais peut-être une confession ? Pezzo di merda ! J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse ! Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends ? J'espère que tu... Arrête, Ezio ! Un peu de respect. Du respect ? Après ce qu'il nous a fait ? Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard ? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Que la mort t'apporte le repos auquel tu aspires. Requiescat in pace. Prends-la. Tu la liras plus tard. Notre mission est terminée. Il faut rentrer à la villa.
J'accueille tout. J'ai fait ce que j'ai pu. Tâchez de ne pas rouvrir la plaie. Revenez nous voir. Il est de retour, notre campione, Ezio. Gloire à Ezio! Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour fêter la victoire. Pourquoi attendre? Nous te devons vraiment une fière chandelle, Ezio. Vieri est mort, et la Toscane va enfin renouer avec la paix. Comprends-tu ce que ça signifie? Fini les sales besognes! Ah, enfin! On va pouvoir boire jusqu'à plus soif! À nous, les femmes! Eh, c'est vrai! Bien, Ezio, marchons. Mon oncle? Les Pazzi obéissent à un homme, un Espagnol. Son nom est Rodrigo Borgia. C'est l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui. Et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Mais avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller ? À Florence. Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. C'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Bien. Assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée. Messer Francesco. J'ai agi selon vos ordres. Et je me suis entretenu avec votre fils. Vous aviez raison sur l'essentiel, mais permettez-moi néanmoins d'émettre quelques réserves. Je vous l'accorde, Vieri est impétueux et souvent mal avisé. De plus, il a pris la fâcheuse habitude de traiter nos mercenaires comme s'il s'agissait de vulgaires jouets. On m'a informé qu'au moins 3 hommes en avaient subi les conséquences et qu'ils avaient tous été défigurés. Mais contrairement à ce que vous laissez entendre, je suis intimement convaincu qu'il peut encore changer. En fait, il existe une façon très simple de remédier à cette situation. Il veut s'attirer vos faveurs, avoir votre attention. Ses accès de colère sont avant tout motivés par son sentiment d'impuissance. Il n'a de cesse de parler de vous, d'exprimer son envie de se rapprocher de vous. S'il se montre violent, cruel et coléreux, c'est uniquement pour attirer l'attention sur lui. Il a besoin de reconnaissance. Comportez-vous avec lui en prenant tout ceci en compte. Par ailleurs, je pense que nous devrions cesser toute correspondance. S'il découvrait la nature de nos échanges épistolaires, ma propre vie serait menacée. Votre très dévoué, Fra Giocondo. Tu les reconnais? D'autres pages du Codex. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin, qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc? Bonne question.
Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Bene. Rapporte-la-moi, elle rejoindra celles qui sont sur le mur. Thank you.
amis, prenez le temps de regarder. Vous ne trouverez pas... Salute, Claudia. Ton oncle est un vrai goujat. C'est scandaleux. Que s'est-il passé? Il me fait trop travailler. Si père était là, je ne passerais pas mes journées derrière un bureau. Et dis-moi, pourquoi Mario aurait décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devrions trouver de l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi, je suis sûr que je pourrais en trouver. Oh, parfait. Plus de travail pour moi. Ouais, benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la ville en état, je tiendrai les comptes dans ce livre. Et vu que je n'ai rien mieux à faire, je pense que je vais également consigner tous les objets que tu apporteras de l'extérieur. Si tu parviens à faire revivre cette ville, les voyageurs viendront y dépenser leur argent, même si je doute qu'ils s'aventurent dans un endroit aussi reculé. Mais si jamais ça arrivait, je placerai l'argent dans ce coffre. Tu devras passer me voir régulièrement et apporter l'argent à la banque. Et quand le coffre se remplira, tout ce qui t'en trouve finira dans ma poche. Capito? Compris. Buongiorno. Est-ce que tout va bien? Cher Mario m'a engagé pour tout remettre en état. Mais je suis un architecte, pas un faiseur de miracles. Sans argent, je ne peux pas restaurer ces bâtiments. Et si vous aviez un peu plus d'argent? Mais alors tout deviendrait possible. Vous devez être Ser Ezio. Je me trompe? Mon oncle, cet architecte me plaît beaucoup. Il devient plus inventif dès qu'il sent l'odeur de l'argent. Il m'en faudra si vous voulez que cette ville prospère. J'ai ici les tarifs des rénovations et des constructions des shops. Apportez-moi de l'or, faites votre choix et je me mettrai au travail. Si vous construisez une échoppe, vous pourrez y acheter des marchandises à des tarifs plus avantageux. Plus vous investirez d'argent, plus les rabais accordés seront importants. Quant aux rénovations, eh bien, vous aurez la satisfaction d'avoir fait renaître cette ville. D'après Ser Mario, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-père aurait voulu. Par ailleurs, que vous choisissiez de construire ou de rénover, vous attirerez un nombre plus important de visiteurs, et votre revenu augmentera. Alors, êtes-vous intéressé? Bon voyage! Ezio, mon garçon, il est grand temps que je te montre quelque chose. Voici la crypte. Elle a été bâtie par mon arrière-grand-père pour honorer la mémoire des assassins et protéger leurs secrets. Regarde autour de toi. Tous ceux qui reposent ici se sont battus pour défendre la liberté chaque fois qu'elle était menacée. Et voici l'armure d'Altaïr. Nous savons peu de choses sur sa vie, mais ce qui est sûr, c'est que son armure est légère et très résistante. Je te la donnerai bien, mais je ne sais pas comment faire. Mon arrière-grand-père m'a dit qu'elle resterait inaccessible tant que ses protecteurs n'auraient pas retrouvé leur plénitude.
J'ai entendu parler de cryptes qui se trouveraient un peu partout en Italie, et de tombeaux remplis de trésors où les six assassins auraient été déplacés il y a des siècles. Qui sait ? Il y a peut-être un rapport. Quand j'étais plus jeune, j'ai moi-même tenté de retrouver ces assassins, mais je n'y suis pas parvenu. Tu auras peut-être plus de chance. Si tu veux être parfaitement synchronisé avec Ezio, tu dois récupérer cette armure.